Après l'orage qui a fait dernièrement plusieurs sinistrés dans la ville de Franceville, les filles et fils de la localité, sous l'impulsion du chef de l'État, se sont mobilisés pour apporter du soutien aux familles se trouvant dans la détresse. Ministre de la République, éminents membres du Parti démocratique gabonais et haut cadre de l'administration ont, avec le soutien du président de la République, apporté une première aide en matériaux, notamment des tôles, pointes et autres pour refaire les toitures endommagées aux sinistrés. Les choses commencent à aller dans l'ordre parce que nous avons reçu 500 tôles au niveau du quartier Akou, qui est une dotation du président de la République qui a envoyé ses émissaires pour nous remettre ce don. Donc pour le moment, tout va pour le mieux. Mais aussi des matelas et des vivres non périssables dont la distribution s'est faite avec l'appui de la Croix-Rouge. Environ 10 000 tôles distribuées à ce jour, environ 35 millions de francs CFA. L'opération de distribution se fait avec le concours des chefs de quartier. Bon, il y a eu plusieurs maisons touchées, notamment au quartier Olek, où M. Ofougou Dieudonné a perdu deux maisons, jusqu'au mur. Et chez moi, à côté de ma voisine, qui a également perdu tout le toit qui est parti, qui s'est envolé. Il y a encore d'autres cas un peu plus bas là-bas, que je ne peux pas dénombrer. Débuté dans le 3e arrondissement, zone où les dégâts ont été particulièrement importants, l'opération de distribution de tôles s'est étendue à tous les arrondissements de Franceville. Nous avons été frappés par un orage d'une rare violence qui a causé plusieurs dégâts dans les habitations de nos différents concitoyens. Et nous avons répertorié près de 600 sinistrés dans le 3e arrondissement et aussi dans les autres arrondissements de la commune de Franceville. Et en priorité, nous avons vu une action forte menée par le chef de l'État au travers de ses fils de la commune de Franceville. Donc avec la distribution des tôles, des premières tôles, environ 10 000 tôles ont été distribuées.